Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale. Alors hier j'ai fait le pack opening de demain. Le problème c'est que je me suis un peu vénère. Ah, quand tu perds un bon nombre d'affilés, c'est chiant, hein. Surtout quand tu viens juste d'augmenter deux cartes. Tu augmentes deux cartes et puis au final t'es encore plus nul qu'avant, enfin bon. Mais on va pas débattre là-dessus, donc du coup moi je vais utiliser ce deck, voilà, comme d'habitude. Et puis on va juste se faire des combats aujourd'hui. Donc on va se faire deux, voire trois combats, suivant s'ils durent longtemps ou pas. Et puis on verra bien. Donc du coup, bah moi je vous dis à tout de suite pour les combats. Allez, c'est parti. Finalement, ces fils de pute ont tous des minions, hein, comme hier. Du coup on va utiliser les flèches, c'est un peu mieux, hein. Allez, c'est parti. Voilà, en espérant que cette fois-ci je me fasse pas enculer, hein. Ça serait génial. Voilà. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà. On va tout simplement faire ça derrière. Voilà, on va bien se faire défoncer aussi. Ça, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Nickel. Oh, franchement. Oh, pas mal. On a bien défendu. Mais on n'a rien niqué du tout de sa tour. Voici un petit peu quand même. Ça va. On s'est mis à égalité. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, des fois te défoncer. Fais-toi défoncer. Bah non, dommage. Bon. Très simple, on va faire ça. Après, ce qu'on va faire, les gars, regardez l'astuce de ouf. Et ben, on se fait niquer. Voilà, non, mais c'est génial, franchement. Attends, ce qu'on va faire, hop, voilà. Et on va tout simplement lancer nos petits barbares. Et pourquoi pas nos petites archers. Et pourquoi pas nos petits gobelins. Et pourquoi pas, bah, rien du tout. Oh, regardez, c'est magnifique. Regardez l'action. Regardez-moi cette action. Slack. Et slack. Et slack. Franchement magnifique. Moi j'ai envie de dire GG. Non, ça fait plaisir des fois quoi. Quand on défonce bien comme ça là, ça fait plaisir. Du coup ce qu'on va faire, tout simplement parce qu'apparemment il a l'air de pas aimer ça, d'avoir une tour vers la gauche. Du coup on va remettre une tour vers la gauche. Ah, c'est génial. Attends juste que là on a rien pour. Allez, mais putain, comme par hasard j'ai rien pour contrer là. Ça me saoule. Allez, oh, le bombardier, là. Il est parti où, le bombardier, là? Il est parti en vacances, ou bien, là? Bon, c'est pas très grave. Allez, hop, on met les barbares. On va pas, quand même, gâcher les pauvres petites archers, quand même. Ça serait con. Ok, d'accord, lui, il a tout compris, lui. Mais je m'en fous, parce que je lui nique sa tour. Hop là. Ah, c'est bon, ça. Ce que je vais faire, c'est que, bah, je vais pas me laisser faire. Voilà. Tout simplement. Hop, mes petites archers derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes petits barbares. Voilà. Nickel, là franchement on est bon. Là on est bon, on est bon, on est bon. C'est magnifique, regardez ce qui se passe un peu. Là franchement on est super bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre pierre tombale. Après on va, tout simplement, parce qu'on n'est pas con, on va attaquer de droite. Vous allez voir, c'est une technique super super efficace. Et regardez-moi ça, les gars. On va tout déglinguer. Easy. Money. Allez, 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 les flèches. Bim. Hop là, on va tout déglinguer, les gars. Youpi, au dernier moment, on le nique, le mec. Ça, c'est de la beauté pure, les gars. Je vous ai dit, si le mec, il vous fait trop chier de gauche, pas de souci, passez à droite. Ça peut fonctionner. Après, il faut voir la situation aussi, hein. Voilà, donc du coup, bah, c'est pas mal. Première. Deuxième attaque. Bon, ce deck fait que des 1 étoile généralement, hein. C'est rare de faire des 3 étoiles, donc c'est normal si j'en ai fait que une. Et donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va continuer à attaquer encore une ou deux fois. Et puis voilà, bien sûr on va continuer avec ce deck parce que l'autre, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à le manier. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite, allez c'est parti. Allez c'est parti les gars, là on est chaud. Hop, on se met une petite pierre tombale juste là. Une petite tour à bombe juste là, parce que le mec il a vraiment cru qu'il allait nous gruger avec sa merde. Regarde ça un peu. Hop là. Hop là. Putain, mais ça lui fait rien en dégâts quoi. Hop là. T'as vu, ça s'agglutine et tout. Hop. Boum. Nickel. Regardez ça un peu. Hop là. Nickel. Franchement, on est au KLM. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, faire ça. Voilà. Nickel. Regardez-moi ça, ces bouffons qui suivent là-bas là. Et regarde ce qu'on va faire. Boum. Ok, ok, nickel. Du coup, on va... on va, vous savez quoi, on va défendre.
Et puis on va attaquer derrière. Regardez ça un peu. Regardez la puissance qu'on va envoyer. Oh, regardez-moi ça. Bon, dommage, il nous a un peu niqué notre barbare. Mais c'est pas grave. Parce que regardez-moi ça. Et le mec, il est con. Il envoie. Oh là 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 là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, mais c'est de l'inceste. C'est tout ce que. C'est du viol. C'est du viol. Je vais me faire arrêter par les flics. Hein. Oh là, je vais me faire interner. Hein. Je fais du viol dans ce jeu, mon gars. Mais regardez-moi. Oh, c'est magnifique. Oh, regardez. En plus, ça continue. Ça continue. Oh là là. Putain, regardez-moi ça. Oh là, c'est magnifique. Le mec, on dirait qu'il arrache quitte. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce que je veux voir. Ça, ça fait plaisir. Oh, mais vous avez vu ça un peu? Oh, vas-y, vas-y, voilà, va vers la gauche. Va vers la putain de gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et boum, nickel. Plus personne sur le combat. On est à 0. 0-0. Ça, c'est bon. Oh, putain. Bon, ce qu'on va faire. Regardez, regardez, regardez. Hop, il s'y croit marrant. Et bim. J'adore. Franchement, le kiff total, à chaque fois, ils font ça. Je kiffe total. Donc, ce qu'on va faire, voilà, on va faire ça, ça, voilà, on va tout simplement mettre une petite tour à bombe juste là, boum, nickel, franchement, on est vraiment OP, les gars, regardez-moi ça, mais on va lui niquer une troisième tour, oh là 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 là, c'est magnifique, franchement magnifique, ouais, je voulais sur ce, ok, allez, c'est parti, bon, les gars, je suis vénère. Je suis vénéré par le jeu. Les gens me cassent les couilles. Là, c'est même plus des fils de pute. C'est des gros bâtards de merde qui méritent de crever. Non, ça commence vraiment à me casser les couilles. Les mecs, ils jouent tous avec la putain de missile, sort de poison de mes deux. Ils sont tous là, vas-y, je te nique ta tour comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je gagne, moi, derrière? Voilà, tu défends pas, bah t'es une grosse merde. Putain, enfin, je tombe comme une grosse merde. Waouh, ça faisait tellement longtemps, dis donc. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Depuis tout à l'heure, là, il y a que des connards là, qui balancent des missiles, des machins, des sortes de machines. Oh là 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 là. Et c'est vénère tout ça. Mais là, on lui a défoncé, donc il y a moyen de faire quelque chose. Il y a vraiment moyen. Allez, mais tu vas me les mettre là, les putains de machins. Allez, nique-moi cette putain de sorcière là. Oh, vas-y, vas-y, nique-la-moi, sinon je te. Voilà, ça, c'est bon. Ça. Hein, parce que cette sorcière commence aussi à me sortir pas les yeux. Du coup, on a pris l'avantage dès le début parce que le mec est une grosse merde et il sait pas défendre. Ah là, je te le dis clairement, le mec, c'est une grosse merde et il sait pas défendre. Hein. Ah mais alors vraiment, mais enfin, j'ai jamais vu quelqu'un pas savoir défendre comme ça. Hein. Ça fait même peur, hein. Je peux vous le dire, ça fait peur. Mais bon, c'est comme ça et pas autrement. Bon, on profite qu'on a l'avantage et on va prendre le 3 étoiles. À mon avis, je pense qu'on s'assure. Assez facilement, hein. Vu comme le mec ne sait pas jouer. Bon, après, les retournements de situation, comme d'habitude, ça existe. Nickel, hop, regarde ça un peu. Hop là, je défends pas trop, parce que je m'en bats les steaks. Et regardez, juste des petits squelettes. Et bim, je nique tout. Ah, j'adore, j'adore, regarde ça, regarde ça. Voilà, en 2 secondes chrono, ça fait plaisir pour la fin. Allez, s'il vous plaît, voilà. Oh, imagine, il n'y en restait que 2 points de vie, j'arriverais pas à gagner. Oh, ça serait un truc de malade. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, hein, je... Non, ta life, c'est pas que je m'en fous, mais un petit peu, hein. Comme j'ai dit la dernière fois, s'il y aurait un bouton, un bouton quoi, c'est cool ta vie, franchement, je le mettrais plein de fois, mais bon. Du coup, j'ai un peu d'acheter quand même de barbares, on sait jamais si jamais je les utilise un jour. Voilà, donc du coup, avec ce deck, depuis que j'ai amélioré mes 2 troupes, j'arrive plus à attaquer, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc du coup bah allez merci. Voilà, donc du coup il faut que j'attaque ça. Enfin du coup j'attaque avec ça. Mais bon, c'est pas non plus Mais voilà, donc du coup normalement j'ai fait 3 petits combats si je me rappelle bien. Enfin bon, j'ai perdu quand même quelques fois là avec ces connards là. Non, mais regardez moi ça. Bon là j'ai eu la victoire. Là le mec, hein, il m'a bien niqué avec son putain de machin. Lui Fireball, je crois qu'il l'a même pas utilisé lui, hein. Enfin, je sais plus, mais peut-être que si. Ah non, mais voilà, lui, c'est parce qu'il m'a niqué avec son chevalier, sorcière, géant et machin. Dès le début, hein, le mec, il a envoyé ça comme ça, on sait pas comment. Il a envoyé ça, le gars, j'ai essayé de protéger, ça protégeait que dalle. Hein. T'avais beau protéger, rien du tout, mes troupes, elles ont fait aucun dégât. Donc, je me suis niqué en 2 secondes chrono. Après, lui, à chaque fois, il a envoyé sa horde de mignons, puis après, sa horde de merde, là, de...
putain de petits squelettes là. Du coup, bah j'utilisais les flèches pour lui, pour eux là seulement. Bah après derrière, boum, je me suis niqué par ça. Waouh, génial. Après lui, son sort de poison, il me niquait mes tours comme ça. J'ai halluciné. J'ai fait, tu me niques mes tours avec un sort de poison. T'es sérieux? Voilà. Bon, voilà. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, mon gars, il foutait deux tours à bombe comme ça en 2 secondes chrono. Hein. Le mec, il foutait deux tours à bombe genre en 2 secondes. Boum, toc toc, comme ça. Toc toc. Oh ouais, non mais le mec, il avait 4 tours à bombe dans le truc de 1 minute. Le gars, il avait 4 tours à bombe en 2 secondes chrono. C'est un truc de ouf. Lui, je sais plus si... Ah, mais là, j'ai gagné. Bon, après, c'est autre chose. Mais bon, malgré tout, t'imagines quand même un peu le délire, mon gars. Laisse tomber. La plupart du temps, de toute façon, c'est ça. Hein. Les mecs, ils me niquent... ils me niquent soit avec un putain de surpeuplage, tu te demandes d'où ça vient. Soit avec une putain de fireball, de missiles, de... Oh là 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 là, il commence vraiment à me casser les couilles, cette communauté de merde. Non, mais c'est encore pire que Call of. Putain. Sur Call of, tu te plains qu'il y a une communauté de merde. Mais alors, mais sur Clash Royale. Mais c'est pire. C'est pire, c'est pire. C'est un truc de ouf. Tu sais quoi, moi, je vais me faire... Après, je vais me faire du BO3 maintenant. Non, non, je vais me faire du BO3 pour décompresser. Ah, maintenant que j'ai l'aide à la visée, mon gars, en mode gros noob, ça passe bien. Putain. Franchement, c'est cool. Bon, allez. Je vais pas vous laisser plus longtemps, ça va durer encore 10 ans. Et puis voilà, donc du coup, bah moi je vous laisse sur ce. Et puis voilà, allez, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde, ciao.